Bonsoir les amis. Et oui, encore une petite vidéo. Parce que bon. Je ne sais pas si vous avez réussi à avoir une place pour le Pokémon Go Safari Zone à Paris ou autre part. Mais c'était pas évident. C'était même horrible ce qui s'est passé. Et oui, le temps de remplir le formulaire tout à l'heure, quand ils ont ouvert les inscriptions, bon, soi-disant il y avait 4000 tickets. Et le temps de remplir le formulaire, ben, il n'y avait plus de place. Donc je ne sais pas vraiment ceux qui ont réussi à avoir, si vous avez réussi à avoir un ticket ou pas pour le Safari Zone de Paris, par exemple, le 16 septembre. Mais moi, j'y suis pas arrivé. Le temps de remplir le formulaire d'inscription, c'était trop tard. Donc probablement certains d'entre vous auront eu la chance que ça fonctionne. En plus le site était gorgé de demandes, c'était hyper lent. Donc je sais pas ce qu'il faut dire, mais j'étais très enthousiaste et heureux de pouvoir y participer. Je voulais vous faire des super vidéos. Ça aurait été vraiment une grande première sur la chaîne ici, faire des vidéos aux quatre temps à Paris, ça aurait été vraiment génial. Et voilà. Tous les amis sont à peu près dans la même, le même sentiment que moi, donc une grande déception. Maintenant, bon, ça fait partie du jeu probablement. Des événements comme ça sont tellement grands qu'ils attirent beaucoup de monde, ou je sais pas. Je pense aussi sincèrement qu'une grande partie des tickets ont dû être préinscrits. Des gens ont dû être préinscrits, des gens assez proches de l'organisation, je suppose, comme c'est toujours le cas. Mais enfin, si vous avez eu un ticket, ben bravo, bonne chance à vous, amusez-vous bien, profitez bien. Bon, si vous êtes tout près de la zone où il y a l'événement, Niantic a dit que dans la ville où se passent les événements, il y aura aussi des Pokémon rares qui se promèneront. Donc, il ne faut pas nécessairement aller aux quatre temps. Mais bon, probablement dans beaucoup d'endroits de Paris, vous pourrez aussi trouver des beaux Pokémon. Ils ont également signalé que dans les autres villes où il y a Unibail Rodamco, les grands complexes, dans ces villes, vous pourrez aussi trouver des Pokémon rares. Donc, toujours les Kangourex, les Arbi, les Pokémon Shiny, ça aussi, c'est super. Et voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Il reste une toute petite lueur d'espoir. Les quatre temps viennent de poster cette à l'instant, donc il est bientôt 21 h, ils viennent de poster cette information sur le site Facebook. Malheureusement, toutes les places initialement disponibles pour l'événement Pokémon Go Safari Zone ont été distribuées. En 3 minutes, c'est ça? Je sais plus. C'est vraiment impossible. Étant donné la demande incroyablement forte pour cet événement, quelques places supplémentaires seront peut-être disponibles dans les jours qui viennent. Ils font. Restez connectés sur notre page Facebook pour être informés. Ah ouais. Déjà qu'on n'a pas quand il y a 4000, alors si vous en mettez 400 de plus, je sais pas si on aura de la chance de les avoir. Enfin, l'intention est gentille. On va voir. On va voir. On verra ce qui se passe. Donc, il nous donne une petite lueur d'espoir si on n'a pas eu la chance d'avoir une place ici. Mais bon, j'y crois pas trop. On va rester en contact avec les quatre temps. C'est peut-être juste un truc commercial pour qu'on reste sur leur site Facebook, je ne sais pas. En attendant, voici ce qu'ils viennent de poster, donc juste à l'instant. Voilà les amis. Ben, dites-moi en commentaire si vous avez eu des places, si vous comptez vous rendre, soit à Paris ou c'était où en Allemagne, Oberhausen. Et voilà. Et je crois qu'il y avait aussi en Espagne. Je ne sais pas si c'était maintenant aussi en Espagne. Enfin, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était Paris, quoi. Ben, j'aime bien Paris, j'adore Paris. Et ça aurait été une magnifique occasion de faire de belles vidéos. Pokémon Go, avec tout le monde, les joueurs, l'ambiance, ça aurait été super. Voilà, désolé les amis. J'ai essayé, j'ai pas pu. Ce sera pour une autre fois, peut-être. Voilà, on verra donc ici si on a réussi à avoir une petite place dans ce qu'ils vont remettre plus tard. On verra, on verra. Voilà. Désolé de vous donner. J'aime bien donner des bonnes nouvelles, mais celle-ci, elle n'est pas très bonne. La seule petite lueur d'espoir, donc, c'est qu'ils vont peut-être remettre quelques places disponibles en plus bientôt. Voilà.
Allez les amis, ça ne vous gâche pas la soirée. Il y a des bons raids et peut-être demain les raids exclusifs qui vont arriver. Donc voilà. À bientôt. Bonne chasse, bon raid. Bonne nuit si vous allez dormir. À bientôt les amis. Peace.